Monsieur Messant, après 15 mois d'interruption, l'Iran et les négociations globales entre l'Iran et le groupe 5 plus 1 se sont déroulées pendant 2 jours, lundi et mardi à Genève. Les deux parties se sont penchées sur un large éventail de questions et apparemment un accord a été obtenu sur la poursuite des négociations concernant la coopération au sujet des questions d'intérêt commun. Quel premier regard portez-vous sur ces négociations, Monsieur Messant? Que d'abord se réunir pour trouver un accord sur la prochaine réunion a quelque chose d'un peu ridicule. Et que ces discussions durent depuis maintenant plusieurs années, avec certes une interruption, mais durent depuis plusieurs années et qu'on se demande à quoi tout cela sert. Donc si on regarde en arrière, au début il y avait un problème, hein, puisque au début il y avait les accusations des États-Unis et des Britanniques selon lesquelles l'Iran préparait une Des bombe atomique. accusations qui se sont révélées sans fondement. Voilà, mais donc au début, on peut comprendre que des grandes puissances soient associées à cette négociation avec inquiétude. Bon, à ce moment-là, on a fait toutes sortes d'expertises. L'AIEA a envoyé de très très nombreuses missions en Iran. Bon, et puis, donc, la baudruche s'est dégonflée. Bon, il n'y a rien. Pourtant, les États-Unis et le Royaume-Uni maintiennent leurs soupçons, à défaut d'avoir quelque élément que ce soit, ils ont des soupçons. Et on se réunit à nouveau donc pour parler de rien. Sinon que nous sommes dans un jeu de rapport de force pour savoir si les Anglo-Saxons maintiennent leur projet sur cette région ou s'il faut accepter une fois pour toutes que l'Iran est redevenu une puissance régionale. Avant même ces négociations, l'Iran avait rejeté tout préalable, toute condition préalable à la reprise des négociations. Il s'est déclaré favorable à la reprise des négociations pour faire preuve d'une part de sa bonne foi, bien sûr, la reprise du dialogue dans le cadre du respect mutuel, dans le cadre de la justice, mais d'autre part pour contribuer au règlement des crises, des questions au niveau régional et international. À part cela, il avait demandé au groupe 5 plus 1 de déterminer clairement leurs objectifs en souhaitant la poursuite des négociations. D'abord, s'il s'agit de l'interaction ou bien de la poursuite d'une politique hostile, et surtout, que le groupe 5 plus 1 s'exprime ouvertement, explicitement sur les arsenaux nucléaires du régime sioniste. Mais il paraît que les membres du groupe 5 plus 1 se sont dérobés à répondre aux exigences, non seulement de l'Iran, mais de la communauté internationale, M. Messant. Oui, mais l'Iran, au premier abord, n'avait aucun intérêt à accepter la reprise de ces négociations, puisque les précédents tours de négociations ont été participé à une mise en scène pour pouvoir aboutir à des sanctions. Donc, pourquoi l'Iran va à la table des négociations? Simplement parce que les Occidentaux sont dans une rhétorique où ils se sont piégés eux-mêmes. Et maintenant, l'Iran utilise la rhétorique occidentale contre les Occidentaux. Donc, en sommant ses interlocuteurs de se prononcer sur l'ensemble des problèmes régionaux, c'est-à-dire l'éternel problème du deux poids, deux mesures. Si vous exigez quelque chose, vous devez montrer votre bonne foi en l'exigeant partout, mais vous ne pouvez pas le faire puisque vous soutenez Israël. Donc tout ça devient assez risible à la fin. Et moi, je m'étonne que les Occidentaux continuent ce jeu. Bien sûr, ils ont en tête que pour le moment, ils n'ont qu'un interlocuteur. Donc, à la sortie de chaque réunion, on peut se permettre de dire n'importe quoi, et lorsque l'on est démenti par cet interlocuteur unique, on l'accuse d'être de mauvaise foi. Ceci s'était déjà produit dans les négociations précédentes, et souvenez-vous même de cet épisode
très distrayant, où pour préparer un tour de négociation avec l'Iran, il y avait une réunion préalable des Occidentaux plus la Russie, donc, et à réunion qui s'était tenue à Londres. Monsieur Miliband, à la sortie de la réunion, avait annoncé de manière tonitruante que ça y est, tout le monde était d'accord pour être le plus dur possible avec l'Iran, et puis les Russes avaient démenti. Non, non, on n'a jamais discuté de tout ça, etc. Donc, même entre eux, maintenant, on voit le désaccord surgir à tout moment. Alors, là, les Iraniens viennent de demander que, dans les prochaines réunions, il y ait d'autres États invités. La Turquie, le Brésil. Si c'est le cas, les Occidentaux vont se retrouver complètement nus, parce que ils ne pourront plus accuser l'Iran de mauvaise foi, ils seront au contraire obligés d'expliquer pourquoi les assurances qu'ils avaient données par écrit à la Turquie et au Brésil n'ont pas été respectées par eux. Voilà. Depuis plusieurs années, l'Occident poursuit une politique ambivalente, de deux poids deux mesures, une politique de la carotte et du bâton envers l'Iran. Alors d'une part, les Occidentaux, les occidentalistes, pour reprendre l'expression de M. Vernochet, se déclarent favorables à la reprise des négociations avec l'Iran, reconnaissent apparemment le droit de l'Iran, mais en pratique, alors pour ce qu'ils appellent le refus de l'Iran de geler l'enrichissement d'uranium, de reculer en quelque sorte de ses droits légitimes et légaux, ils durcissent des sanctions contre l'Iran. Et bien sûr, dans le cadre de leur politique hostile, alors ils ne lésinent sur rien, que ce soit la menace militaire ou encore les récents attentats terroristes contre les scientifiques iraniens. Et justement, ces attentats sont intervenus contre deux scientifiques nucléaires iraniens dont le nom de l'un d'entre eux a été cité dans une résolution onusienne adoptée justement par des puissances qui sont impliquées, qui sont engagées dans les négociations avec l'Iran. Comment justifier cette prétendue volonté de négocier avec l'Iran, M. Messin? D'abord, la volonté de négocier avec l'Iran, c'est une volonté... N'est-ce pas un levé de pression? Non, bien sûr, mais il s'agit pour les États-Unis d'arriver à leur fin par une voie diplomatique plutôt que militaire. Voilà. Simplement, ça signifie déjà qu'ils ont renoncé à la voie militaire. Mais donc, ils avaient fait adopter un certain nombre de sanctions. Chacun peut constater que ces sanctions ne fonctionnent pas. Ce n'est pas un avis personnel. C'est toutes sortes de dirigeants politiques de pays extrêmement différents l'ont observé. Et si l'on se promène ici à Téhéran ou en province, n'importe où en Iran, on constate qu'il y a des chantiers partout, il y a un développement économique que les Européens peuvent envier d'ailleurs, tellement il est important ici. Bon. Donc ça ne fonctionne pas. Alors apparemment, il y a des gens qui ont décidé d'utiliser une autre méthode pour appliquer ces sanctions, hein, puisqu'on ne pouvait pas empêcher telle ou telle personnalité de circuler, alors on est venu l'assassiner. Jean-Michel Vernochet disait à l'instant, on ne sait pas qui a fait ça, mais on s'en doute, c'est forcément évidemment quelqu'un qui l'a fait inscrire sur la liste, hein. Il n'y a pas vraiment de mystère. Bon. Moi je retiens de tout ça quand même autre chose. Les États-Unis sont en train de montrer leur impuissance. Voilà. Ils avaient des grands projets. C'est un point sur lequel insiste depuis des années le président Ahmadinejad, la puissance américaine, finalement, est en déclin. Elle est en déclin. C'est un tigre en papier, voilà, qui continue à rugir, mais ne fait plus peur. Bon, voilà, il devait remodeler tout le grand Moyen-Orient. Le chien qui aboie ne mord pas, monsieur Messa. Absolument, mais il devait remodeler le grand Moyen-Orient. Finalement, ils sont enlisés en Irak et en Afghanistan. Ils ont toujours des visées sur des petits pays comme le Liban, voilà, bon, d'ailleurs on s'en prend toujours aux faibles, hein. Et puis... Est-ce que vous êtes là, justement, je reviendrai sur l'implication des États-Unis et de l'Allemagne, surtout, dans l'attentat qui a coûté la vie à M. Harry. À M. Harry. Bon, et puis ici, ben, ils n'arrivent pas à faire grand-chose, ils n'ont aucun moyen de pression. Mme Clinton vient de reconnaître qu'après tout, on voulait interdire tout le temps à l'Iran d'enrichir son uranium, mais puisque c'était comme ça, et ben, il fallait bien faire avec.
Donc, constamment, les États-Unis sont sur le recul. Je pense que c'est un message qui est donné au monde entier, que voilà, les temps changent. Alors, l'Empire américain est encore là, il ne s'est pas encore effondré, mais ça ne saurait tarder, il est lézardé. Voilà. On voit pour le moment un étalage d'impuissance qui est d'autant plus important, enfin, qui amène à encore plus d'arrogance, puisqu'il faut, il faut parler beaucoup plus fort quand on ne peut pas mordre. Voilà. Et pour moi, il y a un événement récent qui est extrêmement révélateur. C'est tous ces gens avaient dit « nous devons éliminer le président Ahmadinejad ». Lorsqu'il est allé au sud du Liban, tous les grands dirigeants israéliens ont fait des déclarations que c'était une provocation insupportable, on allait le tuer, il fallait le tuer par tous les moyens, le tuer, le tuer, le tuer, le tuer, tout le monde répétait ça. Et puis le président Ahmadinejad est allé prononcer son discours au sud du Liban, si vous vous souvenez. Il était à quelques kilomètres de la frontière, 4 kilomètres je crois. Et là, les hélicoptères israéliens sont rentrés en territoire libanais, se sont positionnés de manière statique face à la tribune officielle et ont mis le président en joue. Alors là, il s'attendait à ce que, voilà, il ait peur et que Ahmadinejad s'enfuit de la tribune. Mais non, le président a continué son discours. Il n'y avait même pas de glace de protection. Il a continué son discours. Et il ne s'est rien passé. On avait annoncé qu'on allait le tuer. Non, ils n'ont pas tiré. Ils n'ont pas tiré. Et pourquoi n'ont-ils pas tiré? Parce qu'ils savaient que s'ils lançaient cette guerre, oui, ils pouvaient tuer un homme, mais que il y avait de la ressource derrière et qu'à la fin, dans cette confrontation, ils seraient les perdants. Donc, en fait, les signes ont déjà été montrés. Le camp occidental refuse la confrontation militaire, tout en déclarant tous les jours « on est prêt à attaquer », etc. Mais en réalité, ils refusent la confrontation militaire et ils sont en train de chercher des manœuvres dilatoires pour essayer de reculer cette reconnaissance de leur impuissance, mais tout ça devient risible. Il y a une prise de conscience internationale, justement.